Quelques jours après la sortie du professeur Alpha Condé, l'interpellation d'Ibrahim Khalil Kaba, ancien chef de la diplomatie de la Guinée, le haut commandement de la gendarmerie réagit ce soir à travers ce communiqué pour donner plus de détails sur les motifs de l'arrestation de Dr Ibrahim Khalil Kaba et du médecin personnel du professeur Alpha Condé, Dr Mbemba Camara. Communiqué. Suite à la fuite dans les médias et pour l'essentiel des réseaux sociaux d'un fichier audio de l'ex-président, le professeur Alpha Condé, admis en séjour médical à Abu Dhabi, et afin d'apporter toute la lumière sur cet événement, la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête. Au cours des investigations diligentées, il s'est avéré que Dr Mbemba Kaba, médecin personnel du professeur Alpha Condé, se trouvant à son chevet, a été appelé par Dr Ibrahim Khalil Kaba. Ce dernier lui a demandé de procéder à l'enregistrement audio du professeur Alpha Condé pour connaître son avis sur la gestion future du parti RPG Arc-en-Ciel. Après la soi-disant désignation de Dr Kassori Fofana à la tête du comité exécutif provisoire du dit parti. Chose demandée, chose faite. Ainsi, le médecin général à la retraite, après avoir fait un enregistrement clandestin du professeur Alpha Condé, a transféré le 4 mars 2022 via Telegram le fichier audio à Dr Ibrahim Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères, et à Ibrahim Konaté, proche de Kassori Fofana. Régulièrement entendu, les intéressés ont reconnu les faits. De tête, il ressort clairement des enquêtes menées qu'il existe des indices concordants pouvant entraîner la poursuite contre les nommés Dr Mbemba Kaba et Dr Ibrahim Khalil Kaba pour atteinte à la vie privée, fait prévu et réprimé par les articles 358, 359 et 360 du Code pénal guinéen et traitement non autorisé de données personnelles, infraction prévue et réprimée par l'article 872 du Code pénal guinéen. Les intéressés seront présentés à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Au terme de cette enquête, il est clairement établi que cette fuite tire sa source de l'inconduite du médecin général à la retraite Mbemba Kaba sur instruction de son commanditaire, Dr Ibrahim Khalil Kaba. Je vous remercie. On en sait un peu sur l'arrestation de l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Alpha Condé. Ibrahim Khalil Kaba Lilou a été arrêté dans la nuit de lundi 21 mars et conduit au haut commandement de la gendarmerie, a appris Guinée News d'une source proche de l'intéressé.